Eh bien, écoutez, d'abord, au cours des séances de réflexion qui ont amené le président Obama à prendre des mesures militaires, il a été dit clairement par les chefs militaires des Américains et de l'OTAN qu'il n'y avait pas de victoire militaire possible en Afghanistan. Et quand on y pense, c'est une déclaration extraordinaire, parce que voilà des gens qui font la guerre et se rendent compte que cette guerre, ils ne peuvent pas la gagner. Et alors, que font-ils? Eh bien, ils la continuent, stupidement. Au lieu de se dire, bon, puisqu'on ne peut pas gagner la guerre, nous allons faire la paix, essayons de trouver un arrangement avec les gens que nous essayons de tuer pour l'instant, et non. Ils disent, oui, plus tard, on verra, mais pour l'instant, il faut continuer, donc ils renvoient d'autres soldats, ils font massacrer d'autres civils, il y a des pertes militaires importantes, et tout ça ne mène à rien, c'est une impasse absolument totale, et on ne voit pas comment ils vont s'en sortir dans l'immédiat. Ce n'est pas seulement dans le sud, je pense qu'il y en a dans beaucoup de régions. Ce qu'on peut envisager, c'est une victoire militaire des talibans dans les quelques années à venir, si les Occidentaux continuent à avoir une politique aussi stupide que celle-là. Parce que les talibans ont adopté des méthodes de guerre qui permettent de faire face à l'intervention occidentale, et donc l'intensification des combats amène forcément l'intensification des mesures de protection que les Occidentaux sont amenés à prendre, c'est-à-dire de bombarder tout ce qu'il y a autour d'eux pour éviter les accrochages avec les talibans. Donc c'est une technique principalement américaine, mais qui sera suivie aussi par l'OTAN, c'est-à-dire ils massacreront tout autour d'eux pour ne pas faciliter la tâche des talibans, voilà.